Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'utilisation de l'outil lasso, qui est un outil de sélection à main levée en opposition avec les outils de sélection géométrique que sont l'outil de sélection rectangle ou l'outil de sélection rond. Donc pour sélectionner le lasso, vous cliquez sur l'icône ou vous utilisez le raccourci L sur votre clavier. En restant appuyé, vous avez accès au menu qui vous montre les autres lasso disponibles. L'outil lasso par défaut vous permet donc de faire toutes sortes de formes pour toutes sortes de sélections. Sa force étant sa faiblesse, puisque si vous voulez être précis, ça devient vraiment compliqué. Admettons que je veuille sélectionner uniquement ce rond. Avec une souris, c'est difficile d'être précis. Oula. J'essaye d'être le plus précis possible, hein. C'est pas de la mauvaise foi. Voilà, bon, on obtient vraiment quelque chose de pas très propre. Heureusement, il existe l'outil lasso magnétique, qui lui, est d'une vraie aide, puisqu'il colle, comme son nom l'indique, il est magnétisé sur l'objet que vous voulez sélectionner. Ça fonctionne par contraste. C'est-à-dire que si vous avez une image avec très peu de contraste, il ne vous sera pas d'une grande aide. Mais comme là c'est très contrasté, il repère tout de suite ce que je veux faire. Et vous voyez que la sélection est immédiatement de bonne qualité. Après, bon, il y a toujours des choses à travailler, mais dès le départ, ça nous fait vraiment une très bonne base. Le dernier des outils de lasso est l'outil polygonal, dont l'objectif est de faire des lignes droites. Un clic, un autre clic, et voilà, vous faites des lignes. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un quadrilatère, vous pouvez faire une sélection en étoile si le cœur vous en dit, enfin ou si l'étoile vous en dit. Voilà, une très belle étoile.